Salut à tous, aujourd'hui on est à Madrid, on va parler un peu des voitures, les voitures que je kiffe, les voitures que j'ai eues, 9. J'étais le dernier à la base, destin voué à la casse, je vais la mettre carrière à la place au fond, même si j'étais dans la classe au fond. D'où vient ma passion pour les belles voitures? Depuis tout petit, quand on est petit, on joue un peu aux voitures comme ça, et puis moi c'est resté une passion, j'aime les belles voitures, les sportives, ça dépend en fait. Si t'as fini sur le déco, c'est sûrement que je t'ai validé. Si t'as fini sur le déco, c'est sûrement que je t'ai validé. Quand j'étais jeune, s'il y avait une voiture qui me faisait rêver, il y avait Ferrari. En fait, c'était plus une marque. La marque Ferrari, j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. Est-ce que je me souviens de la première voiture que j'ai eue? Je crois bien que c'était une Mini Cooper S que j'avais acheté à un pote à moi. Je lui avais pris la tête pour qu'il me la vende. Elle était noire, toute noire, full black. Cuir intérieur, c'était vraiment top. La première fois où j'ai eu un bon contrat, c'était à Lyon. C'était un peu avant mon anniversaire. J'ai pris j'avais 18 ans. Je venais d'avoir le permis. Donc j'ai pris une M6. À l'époque, 507 chevaux, c'était un truc de fou. Je me rappelle, j'avais été chez BM. J'avais demandé rendez-vous avec le patron de BM. J'étais petit, etc. J'étais pas trop connu. Je rentrais dans son bureau. Je lui dis vous avez quoi comme voiture? Il me parle de beaucoup de voitures. Et moi, je lui dis non, je veux cette M6-là. Il me regarde comme ça. Et je lui dis non, je veux celle-là. Et voilà, donc je l'ai eu pour le jour de mon anniversaire. Et ça reste une de mes plus belles voitures et mon plus beau souvenir. Combien j'ai de voitures? Ce que je peux te dire, c'est que j'ai 6 voitures de collection. Des voitures, que ce soit McLaren, SLR, Bugatti Veyron, GL65 AMG, une RS4, une M6. On les produit plus. Au total, j'ai une RS6, j'ai la Chiron, j'ai un RSQ8 et voilà. Pour une voiture de tous les jours, moi j'aime bien rouler avec la RS6, même quand j'ai mes enfants à l'arrière ou quand je vais tout simplement à l'entraînement. C'est rapide, c'est puissant, c'est confortable, tu peux rouler tranquille et voilà, je me sens bien et c'est une de mes voitures préférées. Pour un week-end, ça dépend, hein, ça dépend. Je dirais un 2-plat sportif, on va dire Bugatti ou Ferrari. Est-ce que la Chiron, c'est la plus belle voiture que j'ai? Ça dépend. En tout cas, c'est la plus rapide. C'est la plus rapide. Après, c'est sûr que c'est une œuvre d'art pour moi, cette voiture, comme pour tout le monde, je pense. Et voilà, je pense que c'est une voiture qu'ils ont fait point par point. Après, elle fait partie de mes préférés. Ouais. La voiture dont j'ai le plus de souvenirs, je dirais la Bugatti Veyron que j'ai achetée, où il n'y en a que 5 dans le monde. C'est la Pur 100, il n'y en a que 5. Et là, il en reste 2. Donc voilà, j'en ai une.